jury, s'il vous plaît. Cinquième. Merci. Madame vous attend. Patricia! Patricia, mon trésor! Sais-tu que tu as failli me faire mourir de chagrin? Nous sommes en train de fêter la Chandeleur. Ça ne se fait plus du tout. Mais nous adorons ce qui est démodé. Tenez, posez Patricia sur son coussin et qu'elle ne s'éloigne pas, surtout. Si vous... Oh, Patricia! Si vous arrivez à la faire sauter en tenant une pièce d'or dans la main, vous aurez de l'argent toute l'année. Et je veux que vous soyez riche, 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 riche. Je vous dois bien ça. Pittoresque, non? Très curieux. Il est saisissant de vérité. Voilà. Un daumier. Vous allez avoir de l'argent toute l'année. Qu'allez-vous en faire? Eh, ma foi, j'hésite, ça pose des problèmes. Oh, avez-vous entendu ça? Mon Dieu, qu'il est drôle. Ces gens ont le sens de la répartie, l'esprit de la rue. Paris fourmille de talents anonymes. Les héritiers de Marivaux, de Beaumarchais. Magnifique! Vous buvez comme un russe. Ah, les russes, mais à une époque, j'en avais toujours deux ou trois chez moi. Ils se saoulaient comme des matelots, ils m'ont cassé tous mes sèvres. Oh, les barbares! C'est joli, n'est-ce pas, cette image? Vous reconnaissez? Elle fait vraie, non? La neige est vraie, la signature est fausse. Qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, ça n'a aucune importance, il est très joli. L'original est accroché depuis plus de 30 ans dans le bureau de Richemans. Le chirurgien? Oui. Merde, alors. Robert, décrochez-moi ça, tout de suite. Mettez-le où vous voulez, dans votre chambre, mais je ne veux plus le voir. Ces clochards sont des gens inouïs. Savez-vous que certains sont d'excellentes familles? Je me suis laissé dire qu'un duc est allé se réfugier sous les ponts le jour où sa femme l'a quitté. Cher monsieur, est-il vrai que certains de vos camarades dorment sur des matelas bourrés de billets de banque? Je n'ose y croire. Oh, mais n'y croyez surtout pas, chère madame. Nous avons des coffres en Suisse et pas des bifetons comme monsieur s'imagine. Du jonc. Du jonc? De l'or, moitié dollar, moitié briquette, on a trop souffert des dévaluations. Je boirais bien encore une petite larmichette, moi. Thanks. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? À votre santé, militaire! À la tienne, Mémène. Vraiment, il exagère. Voyez-vous, c'est toujours comme ça avec ces gens-là. Ils sont drôles à maman, puis ils disent n'importe quoi. Vous n'avez pas de veine, mon petit Christian. Les vers étaient d'Apollinaire. 1925, l'homme que j'aimais. Vous ne pensez pas que ça se danse un peu plus vite, quand même? Jeune homme, c'est pas le retour des cendres. Les Hoffman Girls, le bal nègre, de la gambette et du rythme.